Il te plaît, le monsieur? Il est drôle, ouais. Ouais. Il a un drôle de truc en tête, là. Il a l'air assez attiré par toi, quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Bon, t'es prête, Frédérica? Moi, je suis prête. Et toi? Ouais. Bah écoute, moi, j'ai 15 minutes pour te draguer sauvagement, car ce Tomcast, c'est l'histoire d'un énorme coup de cœur. Mais je te jure, je t'ai aimé avant même de savoir que tu étais jolie. La preuve, regarde ce que j'ai reçu quand même pour te découvrir. Je crois que tu peux difficilement faire plus minimaliste. Je pensais que t'allais dire l'inverse. Ça, j'aurais mal pris, mais... Non, d'habitude, si on t'envoie des DVD avec des photos, des machins, regarde, elle est super jolie, elle va te plaire. Là... Non, bah voilà. Pas d'influence, de mauvaise influence possible, juste super. De la musique. Okay. Bon, en fait, pour être très sincère avec toi, j'ai pas vraiment de questions à te poser, j'ai juste envie de te laisser chanter. Ah, d'accord. Pour que les gens comprennent que non, je ne suis pas fou. Qu'est-ce qu'on écoute en premier? Sweep Me Away. C'est parti. Never thought I would say these words, but this was beyond my control. My fingers were reaching, but my hands too small. Was steady on my feet, defeat, now sinking through the mud. I'm looking at the stars, stars, while away. The flood. Never thought I would say these words. I might have got it wrong. There's a hole. To find was fighting that calm, now cooling down my blood. I'm looking at the stars while awaiting the flood. Troisième album, et c'est une véritable bombe, il y a 13 titres, rien acheté. C'est un album dans lequel on se sent bien, un album qui s'écoute en boucle, je peux pas m'en passer, je peux plus me passer de l'écouter, et d'ailleurs on va un peu le faire découvrir en live à nos amis internautes. Car oui, Frédérica, pour toi je mangerai des boulettes, du saucisson d'élan fumé, pour toi je monterai des étagères Ikea jour et nuit, pour toi j'ai même appris le suédois. C'est vrai? Ouais. Oui. Hey Frédérica! Verlichten Jatekul at Douville Varamed in Mincho. Jag Ticker dit Senaste Album Ar Elt Fantastic Bra. C'est génial. C'est bien. J'ai tout compris. Non, l'accent, il était horrible, mais.
Mais j'ai tout compris, c'est l'essentiel. Alors on va écouter une deuxième chanson. Oui. Une chanson pour me faire plaisir, qui n'était pas prévue. Ah. Oui. Oh oh. Allez, s'il te plaît, fais-la moi. Improvisation alors. Ouais. C'est Fast Moving Train. Ah, c'est une de mes préférées aussi. Ok, pour toi alors. What is different? What is new? We're on a carousel, spinning through déjà vu. What remains and for what reason? We see pastures change, but two familiar seasons. All over again, all over again. We're stuck in the pattern, an endless refrain. All over again. Fast moving train. How many songs, how many poems, till we turn eyes to illusionary omens. Say how many spins, say how many springs, before common sense finally wins. Ah, Frédérica, ce refrain est carrément magique, moi, je trouve. Comment tu fais pour composer comme ça 13 chansons sur un album qui sont toutes... Je sais, cette question est conne. Non, mais j'ai pas de réponse. Si j'avais une réponse, ça aurait été plus simple, parce que... Il y a des fois où j'ai envie d'écrire une chanson, ça marche pas du tout. Mais en général, j'ai toujours des idées de mélodie en tête. Les textes, c'est plus compliqué, par contre, parce qu'il faut sentir qu'on a le besoin de dire quelque chose et de mettre les choses en mots ou rendre les choses concrètes, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que depuis que je suis petite, j'ai des idées de mélodie dans ma tête. On sent quand même que tu franchis un pas vers la pop, c'est un peu plus accessible. Ouais. Est-ce que c'est une volonté particulière de toucher un public plus large ou tu n'as même pas pensé, enfin, c'est naturel? J'ai pas pensé, ça s'est fait naturellement. Je pense que la raison pour laquelle ça s'est changé d'une manière aussi radicale, c'est parce que j'ai bossé d'une autre manière cette fois. C'est des chansons qui sont très proches des versions originaux, en fait. Avant, j'écrivais des chansons et j'avais des musiciens qui travaillaient avec moi, qui m'aidaient à faire les arrangements et tout ça. Tandis que là, j'ai vraiment bossé de mon côté d'abord avant de le présenter à qui que ce soit. Donc, c'est ça qui est la plus grosse différence. I'm far away, I took a rocket trip to Mars. I flew away 'cause life on earth was too harsh on me. When you were around, I felt life more long on a breeze. Then you went away in the air, and taking hard to breathe. I'm far away, I'm floating high above it all. Small, so plain. I walked on the moon, but too soon I couldn't stand the view. I turned to the sun and the stars, but they all shone down on you. And I know that I fooled around. I was wrong, but I
Frédérica, je te fais un énorme bisou. Je te remercie d'avoir accepté de venir jouer dans les Tomcast. Merci à toi. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour ce troisième album, Sweep With Me Away. Sweep je vais arriver away, à dire ouais, c'est ça, ouais. Tu dis beaucoup mieux que moi. Donc, ton troisième album qui sort a priori 30 août. Le 30 août. Ouais. Donc, voilà. Et puis, je voudrais aussi remercier Le Scaron, sympathique piano bar qui nous a gentiment accueillis pour cette session acoustique. Beaucoup. Et voilà, je te fais un énorme bisou et puis à très bientôt. Super. Salut Frédérica. Merci, ciao. Comment on dit au revoir en pseudo ? Heido. Heido, Frédérica. Heido. Et il y en a une fois un japonais qui t'a explosé la figure ? Ça, c'était la question indécente. Ça. Je te prépare pour tes talk shows futurs. Ah, c'est vrai en fait. Ouais. J'ai un petit peu un rôle de coach là, qui m'a été confié.